messieurs, bonsoir, mesdames, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Debout au Katanga. Dans ce magazine, nous allons nous focaliser plus sur les derniers déplacements du gouverneur du Haut-Katanga dans le territoire de Sakania. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Tiaboula Katwe, a effectué un déplacement vers le territoire de Sakania. C'était au courant de la semaine. Jacques Tiaboula Katwe est allé palper du doigt les réalités et les difficultés auxquelles la population de ce territoire fait face. En tout cas, je ne vous en dis pas plus, mais regardez cela dans ces images. Pour la énième fois, Jacques Tiaboula Katwe, avec dans sa suite le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoy Kimimba et quelques membres du gouvernement, est accueilli en véritable prince et fils du terroir. La population de Sakania Cité s'est mobilisée en masse pour réserver un accueil au premier des Haut-Katangais qui a été salué par toutes les forces vives qui l'ont accompagné par une procession à travers les artères de Sakania Centre jusqu'à la tribune du stade. Devant la population de Sakania, le chef de l'exécutif provincial a parlé de l'accès à l'emploi et de la scolarité, de l'agriculture, avec la distribution des intrants agricoles qui vont arriver à Sakania dans 48 heures, de l'énergie électrique et de l'eau potable, avec le projet du gouvernement provincial en partenariat avec la société Frontier SA. Face aux difficultés des moyens de transport en commun, problème soulevé sur place par la population, le gouverneur de province a promis 2 bus pour résoudre cette situation. Donc, hapa mina kuya, ni kuyo situation Sakania iko namuna gani? Jia ya Sakania banaitengeneza mzuri? Ndio! Est-ce que watoto wa Sakania bana ile furaha? Ndio! Président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Wakati tulienda kumuona juu ya programu ya Sakania na priorité kuu hapo ni ya barabara. Na atukuazia kusema barabara itakuwa asfalté. Lakini président anasema il faut barabara ile ikuwe na kaburimbo. Avant le 25 décembre, mabisi mbili ingie humu. Bila penda mai ikuwe msakanya, moto ikuwe msakanya, balabala ikuwe msakanya, masomo. Avant de boucler son adresse, l'autorité provinciale a invité les habitants de Sakania à la vigilance afin de préserver la paix dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Aussitôt après, Jacques Tiaboula Katwe et toute sa suite ont pris la direction de la frontière de Lukangaba pour l'inspection du port sec où les travaux de construction d'un bâtiment de 3 niveaux qui devrait abriter tous les services frontaliers, à côté d'un parking qui aura une capacité de 1000 camions, poids lourds, un supermarché, un guest house, une banque et d'autres infrastructures. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kasumbalesa et Sakania vont arriver à la fin d'ici quelques mois. L'autorité provinciale Jacques Tiaboula Katwe, qui avait dans sa suite le vice-gouverneur du Haut-Katanga Jean-Claude Kanfoy Kimimba, y a effectué une visite d'inspection. Regardez cela dans ces images. Ne vous y méprenez pas. Nous sommes bel et bien sur une route congolaise, la nationale numéro 1 sur son tronçon compris entre Kasumbalesa et Sakania. Ici, la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris corps. La chaussée a été construite, élargie et modernisée. 120 km sur les 150 ont déjà été asphaltés, comme a pu le constater le gouverneur de province. Jacques Tiaboula Katwe, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoy Kimimba, a parcouru cette route accompagné des Chinois de l'entreprise CCSCC
China Civil Engineering Corporation Construction qui exécute les travaux et qu'il compte boucler au mois de mai 2022, à en croire Zheng Jiawing, représentant de l'entreprise Jiao, concessionnaire de la route Kasumbalesa-Sakania. La route, ça sera achevé le mois du mai, l'année prochaine. Et le POC 5, ça va finir le mois septembre, l'année prochaine. Pour le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'offrir à la République démocratique du Congo une belle porte d'entrée et de sortie vers l'Afrique australe. Nous sommes très contents et très fiers de voir que nous venons de faire une heure de route là où on faisait trois heures. Donc ça c'est une performance, ça montre combien le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se soucie de la population congolaise, la population okatangaise et la population du territoire de Sakania. La route Kasumbalesa-Sakania n'est ni plus ni moins qu'un défi que Félix Tshisekedi vient de relever et qui redore le blason de la République démocratique du Congo vis-à-vis de ses partenaires de la SADC. Le projet d'adduction d'eau potable à Sakania évolue normalement bien. L'autorité provinciale Jacques Kiaboula Katwe s'est rendue sur les sites où il a constaté que tous les matériels qu'on attendait pour l'installation des tanks évoluent normalement et la tuyauterie est bien en train d'être placée en ce moment. Regardez cela dans ces images. Ebale ya Congo, ejali lopangota, kashi ejali. Cette énième visite du gouverneur du Haut-Katanga sous les sites de Frontier SA témoigne de sa détermination à résoudre la question de la desserte en eau potable à Sakania. Avec à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba, Jacques Kiaboula Katwe s'est fait présenter le matériel en attente d'installation. Du côté de la tuyauterie, les travaux sont réalisés à 80%, mais la ligne électrique pour l'alimentation des pompes connaît un bémol. L'opération s'est arrêtée à cause des constructions des maisons par des particuliers sous la ligne. L'entreprise Frontier SA, partenaire du gouvernement provincial dans ce projet, compte saisir la justice pour ce faire. Toutefois, l'autorité provinciale demande à Frontier SA de faire diligence pour desservir Sakania en eau potable. Nous, en tant que gouvernement provincial, nous avons pris l'engagement devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de donner l'eau à la population, de donner l'électricité ainsi que d'améliorer les sociales. Et donc aujourd'hui, nous voudrions que Sakania ait l'eau et cela c'est avec la contribution de la société Frontier qui, dans ses responsabilités sociétales, a pris l'option de donner l'eau à la population. Et nous sommes satisfaits, mais comme toujours, on veut que ce projet aille vite. Donc j'ai demandé à Frontier d'accélérer avec la procédure. De là, le numéro 1 du Haut-Katanga a inspecté la route Sakania-Lonchi. 45 km sur les 90 qui séparent les deux entités ont déjà été réhabilités dans le cadre des entités territoriales décentralisées par le secteur des Balamba. Cette route était totalement impraticable, mais aujourd'hui on s'est roulé à 100 km, à 120 km à l'heure. Donc c'est une très bonne chose pour la population de Sakania et particulièrement la population de Lonchi. Donc tout ça c'est grâce à la politique initiée par le chef de l'État qui voudrait que nous soyons sur terrain et que nous assumons la proximité afin de solutionner le problème de nos compatriotes. Sur son chemin de retour à Lubumbashi, le gouverneur du Haut-Katanga et son vice se sont arrêtés à Mokambo. Accueil chaleureux à Jacques Kiaboula Katwe, venu remettre sous service un nouveau transformateur de 315 kVA et les ténèbres ayant couvert la cité pendant plusieurs jours ont cédé la place à la lumière grâce à cet exécuteur fidèle de la vision de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, dans les Haut-Katanga. Et à Mokambo, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe, a présidé la cérémonie des concessions de tous les postes de péage sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kasumbalesa
et Sakania à la société Juao International, la société concessionnaire de ce projet de réhabilitation et de modernisation de cette voie, eh bien, cette société va exploiter le péage pour récupérer le fonds investi dans ce projet de réhabilitation. Regardez cela dans ces images. Ebale à Congo, ejali lopangota. Cette cérémonie vaut la cession de tous les postes de péage de l'axe Kasumbalesa-Sakania à l'entreprise Jiao, concessionnaire de la route nationale numéro 1, tronçon qui vient d'être réhabilité et modernisé. Cette société chinoise va percevoir les taxes du péage pour récupérer son argent investi dans les travaux des 150 km de l'axe Kasumbalesa-Sakania. Au cours de cette cérémonie, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, avec à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoy Kimimba, a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette détermination qui a permis la modernisation de cette voie qui a connu l'asphalte pour la première fois depuis son histoire. Le mode de financement de travaux, c'est la concession. Et donc, la route est concédée à la société Jiao, qui va devoir percevoir le péage qui jadis était perçu par la coordination des péages provinciaux. De son côté, le représentant de Jiao International n'a pas caché sa satisfaction vis-à-vis du gouvernement congolais pour la confiance dont sa société est bénéficiaire. Oui, et après la réunion avec le gouverneur, après la cérémonie de céder le péage, et puis on n'a plus de confiance sur le gouvernement congolais. Et puis on va bien avancer les travaux, on va faire nos efforts pour finir les travaux plus rapidement. Il faut signaler que Jiao International compte remettre officiellement la route Kasumbalesa-Sakania au gouvernement congolais au mois de mai 2022. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'hôpital du cinquantenaire à Lubumbashi se portent normalement bien. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, s'en est rendu compte lors de sa visite d'inspection sur place. Le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a débuté cette visite par la salle d'attente, passant par les salles d'opération, les chambres d'hospitalisation, la maternité, les bureaux, pour finir par la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Les travaux de réhabilitation, qui pourront prendre fin d'ici au mois d'avril de l'année prochaine, consistent à agrandir la capacité d'accueil qui avant était d'une centaine de lits, à améliorer les services et à installer des spécialités maternelles et infantiles. L'hôpital du cinquantenaire sera également doté d'une morgue ayant la capacité de répondre aux besoins et aux normes d'une structure sanitaire de cette taille. Après avoir reçu les explications techniques du docteur Nzuzi Mulangi, assistant manager de Padiat Health Care Group, structure chargée de réhabiliter l'hôpital du cinquantenaire sous le financement du gouvernement provincial du Haut-Katanga, le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kiabula Katwe, s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Les travaux évoluent comme c'était prévu et je suis plongé dans l'espoir que d'ici début de l'année prochaine, l'hôpital sera opérationnel parce que je viens de voir presque tout est déjà mis en place. Mais la note spécifique, c'est qu'il y a des services qui n'existaient pas au niveau de l'hôpital cinquantenaire, qui vont maintenant exister. Il n'y aura pas de raison d'aller à l'étranger pour l'IREM, il n'y aura pas de raison d'aller à l'étranger pour la fécondation in vitro, et donc toutes ces spécialités vont se traiter sur place. Et en plus de cela, il faut noter que le quartier Golf, depuis son existence, est dépourvu d'une infrastructure mortuaire. Et dès qu'il y a un cas de décès ici au Golf, nous devons courir au centre-ville et le plus souvent, les morgues du centre-ville sont saturées. Et aujourd'hui, nous avions mis en place une morgue. La réhabilitation de l'hôpital du cinquantenaire est le fruit du partenariat public-privé entre le gouvernement provincial du Haut-Katanga et Padiat Health Care Group. Pendant la ronde de l'hôpital du cinquantenaire, le gouverneur a reçu les plaintes des agents du centre de santé mounois quant au fonctionnement de leur structure et au traitement du personnel.
L'autorité provinciale a promis d'examiner le cas de ces agents fonctionnaires de l'État. Debout au Katanga de ce jour se termine par ici. Nous vous disons sincèrement merci pour votre sympathique attention. D'ici jusqu'à la fois prochaine, nous allons vous retrouver. Ce sera toujours avec ce même et réel plaisir. Au revoir.